Abeline Serpillon appartenait à cette écrasante majorité des mortels qu'on assassine pratiquement pas. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amour, pas de haine, pas d'attrait. Ses convictions politiques l'emmenaient à conspuer doucement les augmentations du prix du gaz, rarement au-delà. Elle était moyenne avec intensité, plus commune qu'une fosse, et d'une banalité de nougat en plein Montélimar. Hormis le chagrin mou qui dormait sur son lit, personne ne se retournait sur elle et encore moins dessous. Depuis 40 ans, elle rapetissait à petits pas derrière le comptoir de bois ciré de sa mercerie qui sentait le miel et la sciure fraîche, sans qu'on la prît jamais en flagrant délit de bonne ou de mauvaise humeur. À la Libération, elle avait un peu tressailli dans les bras d'un SS en déroute qui remontait dos radour et bandait ferme encore. Il l'avait écartelée contre le grand chêne torturé qui glande toujours par-delà son jardin, entre la Dordogne et la Haute-Vienne. Parfois, en suçant sa tisane au crépuscule, elle regardait cet arbre immuable et revoyait les yeux battus aux cils brûlés de son bourreau vaincu qui sentait la fumée froide, la poudre et la mort et l'alcool à cochon. On ne lui connut plus jamais d'autre liaison pour la bonne raison qu'elle n'en eut point. Sa fadeur naturelle l'abritait puissamment de l'amour autant que des mépris. Ainsi, paraissait-il improbable à chacun qu'Adeline Serpillon mourût un jour assassinée. Cependant, le 9 mai dernier, le chauffeur du car de Nontron, qui lui livrait couramment ses fils et boutons, la trouva par terre sous son présentoir à couture. Malgré le grand couteau à viande qu'il avait saigné à blanc en la perforant du plexus au nombril et qui restait planté là, dans son ventre triste, elle conservait dans la mort cet air con des mercières mesurant l'élastique à culotte. On n'avait pas touché au tiroir-caisse. Nul désordre suspect ne troublait la poignante monotonie du magasin et de l'habitat contigu où Adeline Serpillon avait machinalement tricoté sa vie plate comme on grignote en étourneau les bretzels insipides des apéritifs obligés. Sérillac ne manqua pas de s'émouvoir considérablement à la nouvelle saugrenue de la mort violente de sa mercière. Passé les premiers frissons d'horreur, une bruissante fébrilité de jour de foire à la limite de l'indécence s'empara du village. Ainsi, pour qui s'emmerde au trou perdu, la mort du voisin ranime toujours un peu la vie, mettant la joie dans les chaumières où le père noue sa cravate noire des cimetières en fredonnant déjà vases usés. La mère dit « Chante point tant fort, le père, que tu désobligerais le bon Dieu !» Et elle ne retrouve plus ses gants noirs. Pourtant, après l'enterrement du vieux Nicolo, l'année dernière, elle les avait rangés dans le tiroir de gauche. Et ils s'en vont, trottant vers l'église, bien serrés, bras dessus, bras dessous, pour réchauffer leur sang froid, glacé d'images de couteaux blancs étincelants à la lune, et ils se demandent s'il restera assez de hachis parmentier pour midi, mais on pourra toujours repasser par chez l'abbesse pour reprendre 300 grammes de chair à saucisse.